Bonjour à tous et mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, pour vous et vos proches. C'est vrai qu'après l'année difficile que l'on a connue, on a du mal à se projeter dans l'avenir. Exceptionnellement, je vais vous conseiller la lecture d'un livre intitulé « Dans le tourbillon de la médecine », écrit par une personne que je respecte énormément, Madame la professeure Céline Pulcini. Dans ce livre, rédigé sous forme d'un roman, Céline décrit les difficultés et les embûches d'une femme médecin de talent tout au long de son parcours et qui arrive finalement au titre de professeur de médecine de classe exceptionnelle et surtout de délégué interministériel à la résistance aux antibiotiques. Tout le roman est intéressant, mais ce rôle qu'elle a eu explique son point de vue éclairé par ses dernières fonctions sur la situation préoccupante, à mon sens c'est un euphémisme, du système de santé. Là, je reprends la main et je sors du rebond. La difficulté du système de santé n'est pas liée à son niveau de financement, c'est un des plus élevés du monde, ni à la qualité du personnel soignant médical ou paramédical, qui pourrait s'améliorer mais qui n'a pas grand-chose à envier aux autres pays, mais à la lourdeur de notre administration. Depuis des années, l'État a créé différentes agences de santé, nationales, agences du médicament, haute autorité de santé, haut conseil de santé publique, Santé publique France et agences locales, les ARS, obligeant à des arbitrages qui n'aboutissent pas toujours à une amélioration du fonctionnement du système de santé. Ces agences, loin de fonctionner en symbiose, de temps en temps se marchent sur les pieds et la logique d'agence dépasse l'intérêt de santé publique et l'intérêt collectif. Il y a quelques années, j'avais écrit que les priorités sont d'abord les médias, puis la justice et enfin la santé publique. Merci de votre attention.